Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue enfin dans ce nouvel épisode de Project Zomboïde. On se retrouve toujours avec la petite équipe. Salut tout le monde. Salut. On va tous crever. Non, on va pas tous crever. Attends, on a réussi à relancer la partie sans crever. Ça a pas été simple. Une partie d'entre nous va crever, mais pas tous. C'est ça. il a fallu qu'on bidouille un peu, qu'on reprenne un peu les habitudes et tout, mais je pense qu'on est parti. On avait terminé cette maison, hein, je crois. Enfin, remarque, j'en sais rien. Bah, il me semble que oui, mais alors franchement. Oui, on avait fait à fond celle-là. Ça fait quoi, un an qu'on a pas tourné ? Il y a des rats morts. Ah, bah, il y a un bandage adhésif, on va le prendre. Bah oui. Il y a des rats morts dans la salle de bain, donc je pense que. Mais... Et on cherchait quoi comme bouquin du coup pour mémo ? Cuisine 5-6. Ouais, cuisine okay. Pour niveau 5-6. Donc alors, c'est intermédiaire. Intermédiaire, d'accord. Parce qu'on m'a dit qu'on avait avancé dans l'ambulance, mais j'étais plus sûr de quelle c'était. Ah, je rappelle, si vous trouvez des sacs poubelles, chopez-les. D'accord. Ouais, je les ai pris. Pourtant, il me semblait que dans l'ordre c'était nul, intermédiaire, avancé, expert. T'essayes de nous embrouiller là ? Écoute, de on vous verra. Embouiller. Hein, on continue de fouiller de toute façon, hein, c'est pas comme si on avait autre chose aussi à trouver. Et puis, hein. Pour rappel, tu sais pas lire, donc bon. Ouais. Viens pas faire ton malin avec les livres. Hein. Allez, Damnette, viens, on va chercher celle-là. Yes. Donc on avait fait toutes celles qui sont au nord de la rue et pas celle-là. Vous êtes parti où ? Il y a des méchants. Au sud. C'est au sud. Vous êtes passé par-dessus la barrière ? Ouais, parce ouais, que on est à la maison là, tout à gauche. Je rappelle que c'est à Damnette d'ouvrir les livres, les. Ah les oui, c'est vrai. C'est vrai. Oula. Ah oui, parce qu'il est chanceux. Ok. Comment on. J'ai pas suivi, vous êtes parti où ? On l'aurait pas fait cette maison, vu comment les portes sont vertes, donc ça veut rien dire, vous me direz, mais. Elle me dit quelque chose. Moi je l'ai pas fait par contre. Retirer le verre brisé, ça m'inquiète. On vient de passer par une fenêtre, donc on peut retirer le verre brisé. Bon. Ah. Ah bah oui, je suis égratigné. Dis ça comme ça. Ça tombe bien, ouais, mais ça c'est chiant par contre, le visuel comme ça on voit pas du tout que c'est égratigné, bordel. Attends, je te drop une pince à épiler. Non, mais je crois pas que j'en ai de morceaux dedans. Bah, je sais pas, vérifie. Ouais, vas-y. Je vais regarder la télé pendant que vous fouillez. Quand même. Ça doit pas être cette maison là parce que voilà. La seule fenêtre cassée, il y a un zombie non, mort. J'ai pas. Enfin, il y a un zombie en vie dedans. Par contre, je peux me désinfecter. Ça c'est fait, et derrière, chiffon sale, merde, j'ai que des chiffons sales. Où vous êtes parti quoi. On est dans la maison qui était juste à gauche. Ouais. À gauche, ah, ok. Mais pas tout à fait la même notion de sud. Non, je crois pas. Des non, bah c'est sud-ouest. Allez, mène-toi, bordel. Hop, un petit bandage. Merde. T'as tapé quelque part. Ouais. Ça y est, je suis bandé. Bon. Alors, dit comme ça. En stress là. C'est ce choix, je suis en train de placer un Toki Walkie. C'est pourri ma vie. La cuisine niveau avancé c'est 5-6, c'est ça qu'il faut. Ah, c'est ça qu'il faut. Ça, ouais. C'est ça qu'il donc c'était avancé, bah on l'a. Et j'ai mécanique aussi si ça vous intéresse. Et pêche et métaux avancé. Moi je prends tout. On verra ce qu'il y a, je sais plus ce qu'on avait et ce qu'on avait pas. Ouais, ça, ouais, ma liste est partie à la poubelle depuis le temps. Oh, bah tu m'étonnes. Bon alors. J'essaye de poser une télé par terre, j'ai réussi à poser un poste de radio, un Toki Walkie, mais pas la télé. C'est bien, mais j'essaye de poser une télé par terre, et ben, du coup, j'ai cramé la maison. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, je vais démonter la télé. Ça y est, apparemment, elle arrête de parler quand je la démonte. On a notre livre, du coup. Ça y est, on peut rentrer à la base. Ça y est, on peut rentrer. J'ai récupéré une montre, je regarde l'alarme, c'était marqué 15h20. Et je l'ai enlevé à 15h10. C'est propre. Le jeu qui te troll et qui te piège. Ouais, c'est clair. C'est clair. On avait garé où les voitures, vous vous souvenez ? Ouais, je me souviens là. De côté du tas de zombies. Ah bah c'est bon. Ah oui, ah oui. Alors moi je sais pas du tout. On est au nord de la maison, vous sortez au nord de la maison. T'es toujours dans la maison ? Ah ouais, d'accord. Oh les copains zombies. Tu sors par le nord-est et y a une petite place et on est à gauche. Apparemment mon arme c'était un tournevis. Hein. Je crois que t'avais. J'ai le souvenir dans le dernier épisode que ton couteau a pété. Ah ouais, y a plein de zombies morts là, ça doit être ça. Oh punaise. Bah des zombies morts ça fait un peu double utilité, non ? N'est-ce pas ? Une magnifique ambulance. Yeah. Ah. Vous mettez pas des coups de couteau les uns sur les autres, vérifiez-vous. On peut ? Ah oui, on peut, oui. Si on n'est pas en mode PVP, on peut. Non, on peut pas si on n'est pas en mode PVP. Voilà.
Quand même, on peut activer le mode PVP par erreur. Katox, je te laisse conduire ta petite voiture. Hop. On avait le plein. On a un peu des pare-brise cassés, mais c'est pas trop grave. Bon bah on peut rentrer si tu veux, Slan. Bah c'est déjà... Je voulais rentrer en ambulance. Comment on fait le, comment on fait le menu pour la voiture encore? Je me rappelle plus. Il va encore nous mettre là. Ah regardez, il y a un joli couteau de chasse là par terre. C'est pas celui qui était cassé? Non, il est cassé. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ils disent aussi. Il a du mal à démarrer la bagnole. Hein. Faudrait que je la bricole un peu. Avance en même temps. Ah mais j'essayais de... Voilà, je voulais reculer pour laisser un peu de place à... Mais je me rappelle plus le bouton pour accéder au menu. C'est V. Allez, c'est parti. Ah putain, oula, je me recale dans les touches là. C'est bon, tout va bien. Voilà. Là pour partir. Ah bon? J'en sais rien. D'accord. Oui, regarde, il y a des zombies écrasés, c'est sûrement ça. On voit, il suffit de suivre les traces de sang inversées des zombies qui se sont fait défoncer le crâne par une bagnole. On ne veut pas te dire quand tu freines. Ouais, moi je le sens bien par là. Bon alors. Ouais, je me souviens que ce corbillard, t'avais voulu le regarder. Je suis dépressif. Mais t'as fumé quelque chose? Lourd de charge. À cause de trucs sur forcément, le transfères, tu transfères un piano. Ah mais tu portes toujours ton piano? Non. Non. Un coffre quand même. Non, bah oui. Ouais ok, tu portes toujours, c'est ça? Non, je sais pas, faut que je regarde. Non, je suis à 15 sur 12, je dois pas avoir de piano sur moi. Ouais non, ça fait pas très lourd pour un piano. Non, par contre j'ai une des étagères. Ah mais putain, mais c'est un faux cette pièce, sans déconner quoi. Bon allez, quand tu veux tu y vas. Nous ça va. Vous me rattrapez pas, c'est que vous devez pas aller super vite. Vous avez pas pris la même route. Éventuellement. Je sais pas du tout où je suis, donc je vais te dire oui. Et comme ils ont pas non plus d'idée où ils vont... Il y en a que 4 vitesses sur cette bagnole, sans déconner. Bon, faudrait qu'on arrive avant la nuit, là. Oh, il y a une belle bagnole, là. Non, elle est pourrie. Avant... Toutes les voitures sur cette route, vous avez déjà vérifié, de toute façon. Ouais, la voiture. Là, j'ai deux montres. Pour avoir l'heure. Oui, moi aussi. Bah il est la même heure sur les mes deux montres. Ah putain, c'est beau la technologie. Moi non. C'est pas si arriéré les années 93. Hein. C'est plutôt louche. Je sais pas. Par contre, c'est comme si c'était une simulation et qu'en fait ce ne serait qu'un gros jeu. C'est louche quand même tous ces virages que tu fais. C'est quoi ça? Désagréablement chaud. Ah bon? On aura pas branché la clim peut-être. Ouais, elle a juste soif là. Allumer la clim, le chauffage, température. Je sais pas du tout. Ah, ils arrivent dessus. Heureusement qu'il a bien dit tu dis quand tu freines. Ah bah oui. Garta, laisse-les passer, sérieux, tu connais même pas ton code. Il me rattrape pas, il peut pas laisser passer. Ouais. T'es censé le laisser passer le code. Attends, je jette des trucs sur la route. Qu'est-ce que je peux jeter? Un sachet de jette le piano. Un piano qui pop au milieu de la route. Attention, il y a des voitures au milieu de la route. 79 degrés Fahrenheit, 74... Ah, ça y est, ça commence à faire un peu plus frais. Ah, j'ai un bandage à changer, tiens. C'est combien déjà le différentiel en Fahrenheit? Quelqu'un sait? Ça dépend en fait. Ça dépend. Ah bah Katox, c'est de savoir maintenant. Parce qu'en fait, ouais, ça augmente pas d'un degré pour un degré. Ouais, si t'es à... T'es à quoi, 90, c'est ça? Là, on est redescendu à 62. Oui, 62, c'est, il fait relativement frais, il doit faire assez... C'est marrant, il y a des zombies qui vont dans une direction, là, on se demande ce qu'il faut là. Ouais, donc là, par là, c'était la maison, là. Donc par ici, on est bon, normalement. C'est un magnifique retour, nouvel épisode. T'as pris la route avec la ligne jaune ou t'as continué tout droit? Je crois que c'est tout droit, les lignes jaunes c'était pour aller à la maison là. En fait, ouais. Tu sais dans quel sens aller parce que t'as l'impact contre le zombie et t'as la trace de sang ensuite qui part dans une direction. Mais oui, bah exactement, c'est ce que je t'ai dit. Il faut donc aller à l'opposé des projections de sang. Exactement.
tout à fait. C'est la vieille technique des baroudeurs, un peu, tu sais, à la Minecraft, où tu mets juste les torches d'un côté de la caverne pour savoir par où t'es passé. Bah oui, hein. Là, tu écrases les zombies dans un sens pour savoir dans quel sens tu peux passer. Hein. Voilà, tu les as vu les projections de sang. Mastermind. Oui, mais là, du coup, ils vont être perdus derrière, non? Ah bah écoute. On les reverra jamais. Pas tout à voir, hein. T'inquiète, on est dans une ambulance, on risque rien. De toute façon, les zombies, ils vont plus dans le sens de la sirène, donc. Bah si, un peu. Ah, plus maintenant. Ah, je peux refaire un petit coup si tu veux. On va arriver à l'endroit où tu t'étais fait défenestrer de la bagnole en pleine conduite. Ouais. Espérons que ça le refasse pas parce que je conduis cette fois. Ah yeah, ça s'arrête. Je ne vois plus la carte. On est trop loin de Katnax. On a perdu la connexion. Comme quoi, t'aurais mieux fait de te taire. On est trop loin de Katnax. Je peux pas sortir d'un véhicule en mouvement, d'accord. Non, moi j'ai connexion lost, quitter la partie. Faudrait que tu me réinvites, Katox. Si ah bah tu as bravo. Moyen pendant que tu conduis. Moi je vais essayer de changer de siège. La classe. Je le sens mal, je vais me téléporter à 120 miles à l'heure. Non, alors là, clairement, faut pas que tu réapparaisses. Hein. J'essaye de déplacer le groupe de zombies au milieu duquel tu vas réapparaître. Attends, ça peut s'arranger très facilement. Je sais ce qu'il va faire, ce con. C'est ça. Ah, j'essaie de connecter au serveur, mais non. Ouais. Bon, j'ai encore le même bug que la dernière fois, faut que je redémarre tout. Katnax, faut que t'invites. Non, faut que je redémarre le jeu complètement. Là. Il est encore en mode... Une fois que tu te déco une fois, tu peux pas revenir, quoi. Alors moi j'avais coupé le moteur en me disant ils me verront pas. Ça se tentait. Et en fait du coup j'arrivais plus à démarrer après. Tu peux me réinviter parce qu'ils m'ont vu en fait. Katox. Excuse-moi. Oui. Alors t'as intérêt à bouger quand t'arrives hein, parce qu'il y a une horde de zombies. La sirène c'est bien. Il a attiré les 3 zombies qui étaient à l'endroit où tu devais apparaître. Non mais on va reculer, hein. on va aller en marche arrière et. Oui, mais par contre ce que vous voyez pas c'est qu'il y a une horde de 50 zombies qui sont en train de. Qui sont là où il va popper quoi. Attends, ouais. laisse-moi prendre une voix sincère. Oups. Ah non mais c'est pas une horde de 50 hein, c'est la. C'est écoute, violent. Je suis en train de charger. Le problème c'est qu'il faut pas te compter écrase aussi quoi. Parce que tu vas apparaître oui, sur la route. C'est le morceau de map. T'as aussi une chance, alors moi je roule bien à gauche. Ouhouh, parce que toi t'étais à droite. Ah oui, effectivement, il y a quelques zombies. Ah, alors il est là déjà, donc on l'écrase pas. Je continue il est là tout droit, je suis arrivé au virage qui était un tout petit chouïa plus loin. Ok, donc il faut aller en avant. En arrière Bah non, au virage suivant il a dit. Ah non, en arrière. T'as planté avant. Je sais pas trop où je vais réapparu en fait. Je vais effectivement réapparu au milieu d'une horde de zombies, mais... C'est bon, il est en bas, Slan, continue de la route, on vient de le croiser. Ça roule. Ouais. Donc j'y vais. Oh le pack qu'il y a quoi. Alors est-ce qu'on peut mettre la clim dans cette bagnole là? Mais tu peux le faire toi hein. Mais je suis en train. Sauf que. Ah. Mais non mais pourquoi il sort mon map? Mais non mais rentre. Mais quel con. T'as repris l'autre. Vas-y avance, stop. Vas-y. Ah oui, j'ai laissé le volant, j'ai pas le droit de conduire. Oh my god. Oh la vache, c'est chaud. Quand tu veux, tu vas. Attention, on est devant toi. Hein. Oh les mecs quoi. Attention, je me suis arrêté. Je suis sur le bord de la route. Ah, sur le bas côté. Lequel bord le côté. On voit que t'as arrêté la sirène hein, et les zombies font demi-tour d'un coup. Ouais. On te voit. Ouais, yeah. Bon, allez. À la base. Ouais. À la Batcave. Tatin. Bon, y'a quoi à manger? Bon, en tout cas, ça m'a rendu plus gay. Ah non, bah non. Le stress, c'est cool. C'est que c'est cool. Bon, alors j'ai faut un pas que j'aille trop j'ai parce minu- que on va le refaire. Teur de la javel, de l'essence. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ça? Voilà, j'ai un limitateur de vitesse sur cette caisse. Je sais pas, il y a le cross control. Claire, il faut le désenclencher là. Par contre, je tiens à dire qu'après ce foutu road trip aux États-Unis, je comprends. Enfin, ce jeu est une simulation des routes. Hein. Ouais, pas vraiment c'est clair. Rien pendant des kilomètres. On est sur Road Simulator. Ouais. Voilà.
Tu peux mettre la radio qu'on apprenne quelque chose. D'ailleurs, ton nombre de kilomètres que t'as fait est assez impressionnant quand même. Pas mal. J'ai le droit de toucher au bouton. Ah bah ouais, pas mal, ouais. Pareil, allumé. Ah putain. Comment t'as fait pour pas faire une indigestion de bagnole, quoi? Ah bah, j'ai fait une indigestion de bagnole. C'est, je peux t'avouer que c'est un peu long. Le pire, c'est le Wyoming. Voilà, je peux vous assurer que ici, vu comme c'est plat et qu'il y a rien, non, ici il y a des armes, c'est pas le Wyoming. Tu peux régler la radio si tu veux, Slan, je t'autorise à tout. J'ai mis sur Kentucky Radio. Maman, il va lire putain et je travaille dans pour Gas2Go. C'est vrai, nous sommes une grande chaîne, mais nous avons l'esprit de famille. C'est de la pub. Bah, sans déconner. Je dois emmener Jimmy à son entraînement. C'est de la je croyais que la meuf allait dire je suis enfermé dans le frigo à l'arrière du truc, venez me sauver et tout, mais pas du tout. Ah ouais. Enfermé dans une ambulance, elle est en train de rouler à toute allure sur... Hein? Quoi? De? Hein? De? Je vois pas de ce que vous voulez parler. Une ambulance, dites-vous. Gas2Go, une compagnie Fossoil. Ça y est, avec on rattrape l'ambulance. Je vais rester derrière toi, comme ça, il y aura moins de chances de déco. Oh, on avait laissé une hache dans la bagnole, c'est malin, ça. La bagnole, dans la boîte à gants. Dans la boîte à gants, ouais, c'est vrai. Ah, c'est une ambulance, il y a une grande boîte à gants. Putain, y'a plein de trucs à boire dans la boîte à gants, c'est dommage que j'ai pas soif. Y'a même 3 queues de billard dedans. Enfin, ils y sont plus maintenant, je les ai enlevés, mais. Oh. On pourra pas nous appeler sans queue. Voilà, c'est tout pour moi. Aïe 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 aïe. Et voilà, et, et voilà, Katox. Ça fait pas du tout un mois que j'attends pour cette vanne. Mais... Donc, on lance officiellement le casting pour le remplacement de Katox, hein, qui va malheureusement devoir nous quitter bientôt. Il nous faut envoyer votre CV, un bon serveur et une bonne connexion, c'est tout. Il y aura un test pour le niveau des blagues aussi, hein, on précise. Ah, on fera un entretien vocal sur le Discord de Slan. Ouais, ouais, on fait un entretien vocal. Par contre, à vos risques et périls, hein, si vous vous ratez, c'est banni du serveur à jamais. Hein. Ah bah non, mais c'est sûr. Ouais, t'imagines. Donc si tu réussis, tu restes, sinon... Bon, il y a pire comme bannissement, t'aurais pu faire un At Everyone dans le général. J'en ai été sûr. Je le sentais arriver celui-là. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Tu sais qu'elle a sur la route là. Ouais, regardez, je fais le petit poussé, je mets des chiffons sales pour. Attention, attention, il y a une breaking news. Ils ont admis qu'il y avait une épidémie. Ah. De grippe. Elle provoque la confusion. Bah oui. Ah, ils ont pas de mort quand on est mort. Ils ont pas de preuve quand on est mort. J'ai pas encore gagné. Y a aucune preuve que les zombies soient morts. Eh mais mythe de rien, c'est pas con d'avoir plein de chiffons sales. Regardez, quand on tourne un endroit, je lâche un chiffon comme ça quand il y a un écart entre nous. Et bah hop, vous savez où il faut tourner. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait des trucs par terre là. Oui, je balance des chiffons sales. C'est pas possible, est-ce qu'on lag et qu'on se retrouve au même endroit? Eh bah, là. Perso, tout effectivement, quand je joue. Tu sais qu'on est juste derrière et que ça sert à rien parce qu'on tourne pas là. Eh, quand je joue en solo, je mets pas de ticket. Et du coup, à chaque fois que j'explore une maison, je balance un chiffon devant la porte de la maison. Bah voilà. Pas bête, tu vois, pas bête. Les grands esprits se rencontrent. Moi je claque un côté molotov dedans. Tu vois. Ouais, tu mets le feu à la maison une fois que tu as fini de la visiter. Une fois que j'ai visité la maison, je fous le feu, comme ça au moins je suis sûr que c'est bon. Je sais pas du tout par où je vais, je me mets sur le bord de la route. Non mais comme on te suit de toute façon, tu sais. Oui, mais je sais pas où je vais, si c'est pas le mec qui a pas le plan. Ben oui, ouais, mais le signe il sait pas non plus où il va, alors tu sais. On est obligé de te suivre, sinon si on prend trop d'avance, ça déco de toute façon. Voilà. Et je crois qu'on fait plus ou moins la même vitesse, hein, tu sais. Bah, bon, tout à l'heure, depuis que je te suis, je suis obligé de ralentir pour pas te prendre de distance. J'ai un veau, mais t'as encore plus un veau que moi, quoi. Cette pointe de vitesse de fou. Les ambulances, c'est pas fait pour aller vite, hein. Bah, maintenant que tu le dis. Comment dire ? En vrai, on fait 100 miles par heure, hein. Ça fait quand même du 160. Ah ouais, bah ça se voit pas. Moi hein. Je suis à quasiment 120. Ouais. Ah ouais. T'inquiète, j'ai frôlé 100 miles par heure pendant le voyage, je sais que c'est rapide. Et on est à... Je suis que en 4ème vitesse, hein. Si j'avais une 5ème vitesse, ce serait probablement pire. Et je crois qu'on est sur la bonne route là, on a rattrapé l'espèce de pseudo périphérique. Là, normalement, c'est là où t'avais déconnecté, juste sur la droite, il y a une petite bâtisse. Sur la de mémoire, hein. Non, la droite. Normalement, un petit peu plus loin à droite. Ah ouais, on a 6 sièges dans l'ambulance, putain, ça déconne pas, hein. Ah, il y a quelques zombies.
En même temps, il y aura toujours une maison à droite au bout d'un moment, quoi. Hein. Oui, tu te mouilles pas trop. C'est ce que t'es en train de dire. On va les attendre. Oh non, non, vas-y, roule. Y a qu'une route. Hein. J'ai pas envie que ça déco, surtout. Ah, oui, c'est vrai. Ça y est, ils arrivent. C'est vrai qu'ils sont censés être devant. D'abord. Vous d'abord. On va rester à 100 miles. Alors, change de voie pour voir, je voudrais faire un test. Quoi ? Change de voie, tu te mets dans la voie de droite. Ah ! Alors attends, je vais m'arrêter. Alors, non mais c'est bon, vas-y, roule. J'ai mis des clous au sol, je voulais voir si ça pouvait vous crever un pneu. Non. Ouais, cool. Le mec, il est en train de vider tout le coffre de l'ambulance sur la route, quoi. Attendez, maintenant je mets un extincteur, des bidons d'essence. Je jette un cocktail molotov sur la roue. Une grenade, 3, 2, 1. Tiens, j'ai une étagère, mais... ça sert à quoi? Tiens, je vais la mettre sur la route. C'est Project Zomboid, hein, c'est pas GTR. Ah ouais? Il est 22h, il fait encore vachement jour. Attention, en y a même des... temps, ouais, il y a des carcasses au milieu de la route, faut passer par la gauche. Ouais, Damned, si jamais gauche, tu dégoupilles une grenade, pense à vite jeter la goupille par la fenêtre. Ouais, pas de problème, j'y penserai. Bah non, c'est vrai qu'on se fait chier sur ce chemin du retour, alors on s'occupe comme on peut, quoi. Ah bah non, je suis pas d'accord, on se fait pas beaucoup plus chier qu'à l'aller. Hein. Ouais, non, merci. Non, parce que je suis pas d'accord, parce que nous, on avait pas d'ambulance, donc je peux pas faire de... Voilà. Oh, ah bah voyons. Et c'est pas moi. Et c'est pas moi, dit-il. Ouais, je te jure, c'est pas moi. Bah alors là, quand tu jures, ça fait rien seul. On sait très bien que Damned est une extension de ta personnalité. Alors c'est quoi le bouton pour klaxonner encore? C'est le même que pour se défenestrer. Quoi, la demande à Damned, il connaît. Choose your destiny. Moi je connais. Ah bon. Oula, commence à y avoir du peuple. Oula, il commence à y avoir du peuple. Ouais, il y a du monde là. Ça. On sent qu'on approche de la civilisation. Là. C'est pas toi, Damned, le spécialiste de passer à travers les fenêtres quand tu veux juste faire autre chose? Hein, pardon? Non, c'est pas grave. Non, pardon, excuse-moi, je disais autre chose, comme je disais, je me fais pas du toucher. Excuse-moi, pardon, tu disais? Oui, c'est ça, d'accord. Non, bah, tu coupes le live de Tibbs, là. Wow. De qui? Je connais pas. Tous ces chants, y a trop de chants partout. Oh putain, bon. J'ai jamais entendu parler. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est peut-être dans la bonne ville. Ah, et la mauvaise? Ah, c'est qu'il y a deux fois plus de zombies. C'est que je vois pas vraiment particulièrement où on est. Ah bah si, là, ça y est, je vois. Il a tourné, Katox, hein. Il a tourné à gauche. Hein. Ouais, il a tourné à gauche. Attention, il y a deux bagnoles au milieu de la route. Ouais, on est à votre cul, hein, pas de soucis. Ok. Et des lags aussi. Là, on est bien, là. Il y a des lags, je suis d'accord. Mais ouais, bon, tu sens le chargement de la ville. Ouais. Là, on est vraiment tout près de chez nous. Hein. En fait, c'était pas si long. T'as raison, ça me paraissait bien plus long en fait. Mais bah, c'est toujours c'est... plus court quand tu connais le chemin de retour. Mais ouais, ah, bah, en plus, à l'aller, ouais. On s'est galéré, on a cherché un peu, on a été dans le. Ah, regarde, là. Il est beau le van là. Non, ouais. Y a trop de monde. On ira quand il fera jour. Ah, y'a personne, arrête. Non, mais faut pas l'écouter, Slan, tu sais bien. Il y avait un grand camion et tout, avec les clés dessus, le moteur qui tournait. Alors, dans quel état va être le Twiggies? Ah. Comme on l'a laissé? Il faut déjà qu'on le retrouve. Bah, je pense que t'es bien là. Ouais, je pense que. Ah, quoi? Putain, mais. Poto! Bon, je vais regarder ma santé. Bravo. Voilà, je suis mourant. Tu déconnes. Mais oui, tu déconnes. Ah, ça craint, infecté. Pourquoi je suis infecté? Il y avait un zombie empalé dans le poteau? Est-ce qu'il y a des sujets éjectables? Est-ce que par hasard dans l'ambulance vous auriez de quoi désinfecter? Moi j'ai un flacon de désinfectant sur moi. Ouais, je veux bien. C'est pas bah, ouais, mais attends, parce que. Non, attends. Alors je tiens à préciser que je me suis fait ça en montant par la fenêtre. Donc c'est une infection parce que je n'ai pas désinfecté, c'est tout. Ah merde. Putain, qu'est-ce que tu fais? Comment je fais, Slan, pour te le donner? C'est un peu risqué. Non, mais là. On se désinfectera plus tard. Non, on arrive à la maison là. Ah, au fait, je dois vous dire, c'est pas par là. Si, c'est par là. Oui, non, c'est pas par là où t'étais, oui. Bah oui, bah c'est ce que. Hein, heureusement que je l'ai dit à temps, t'imagines? Tu serais arrivé sur la même route que moi. Oui, on est au Tifos là où tout truc, je sais plus comment il s'appelle, c'est par là. Hein. Ouais, c'est ça. Après, on est à Winchester. Nous y voilà. Un endroit que nous pouvons appeler
maison. Ouais, alors mais les gros boom boom qu'il y a, cité champion. Non, non, les boom boom c'est parce que tu roules sur des cadavres. Ah tiens, rien si je roule sur des cadavres. Fais ta manœuvre, et puis j'irai. Non mais je voulais écraser les zombies là. Ah merde, c'est vrai, bien vu Slan, j'avais oublié que ça faisait ça. Voilà. J'ai fait la même. Éteins le moteur et puis voilà. Tiens Slan, je te pose ça au sol. J'ai peur. Dedans. Dedans, viens dedans là, ça sera mieux. Torche, histoire de voir un peu ce qui se passe. Allez hop, voilà. Attends, je ferme la porte là. Putain, on pourra pas le rater comme ça. Là, là. Désinfecté. Ça y est, je vais peut-être pas mourir du coup. Ou je vais mourir d'autre chose. Merci. On va pouvoir retourner un petit peu. Vous savez que ça, ouais. pas, ça m'avait pas manqué de ranger. Bon, du coup, c'est qui le livre? Est-ce que c'est moi qui l'a pris, mais... Est-ce que quelqu'un a pris le livre? Ouais, c'est moi qui les ai, ouais, c'est moi. Il est en haut, non? T'es en train de le mettre en haut? Bah, je suis en train de regarder pour les ranger, ouais. Hop, je suis en train de te les mettre. C'est le deuxième carton en bas. Non, mais. Ouais, faut le temps qu'on retrouve les habitudes, hein. Alors, la cuisine, la cuisine, la cuisine. Donc, comme j'ai pas la place, là, je mets les étagères dans la boîte à clous. Oui, chef. Ah, ça y est, c'est plein, quoi. Fait chier, mais c'est toujours plein, ces trucs. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à boire, ici? Alors, je tiens à préciser, on est quel jour, là? Le 13e jour, c'est ça? Puisqu'on a commencé le 9, hein. Oui. Alors, donc, l'eau et l'électricité sont coupées le 14e jour. Parfait. Donc... Bah, enfin, on a un générateur et on a des récupérateurs d'eau, on est bien. Non, et de l'essence, enfin je crois. Les générateurs, il a été installé, quelqu'un l'a branché? Bah et oui, toi se servir d'un générateur. Ouais, non. Allez hop, je le branche. On aura de l'électricité comme ça quand il n'y en aura plus. Parfait, c'est fait. Info sur le générateur, carburant 0%, c'est pas bon hein. Non, c'est pas bon. Alors, on nous a conseillé pour les corps de les faire les brûler. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il faut fabriquer un feu de camp et mettre les corps un par un dans le feu de camp, trouver du combustible. Voilà. On sachant pourra servir que, des branchages. Sachant que bah, ça revient à peu près au même que de les mettre dans des tombes, quoi, hein, sauf que ça coûte le prix d'un feu de camp et le prix du combustible. Ouais, mais ça prend pas de place. Les tombes non plus, hein. Les tombes, tu peux pas construire par-dessus. Non, mais tu as pris l'objet qui sert à détruire les objets pour voir si t'arrives à détruire une tombe? L'objet qui sert à détruire les objets? La masse. Est-ce que par hasard t'as essayé de donner des coups de masse dans les tombes? Non. Qui donne des coups de masse dans les tombes? Bien, ouais, qui fait ça? C'est normal que vos phares soient allumés? Les moteurs sont en train de tourner et les radios non plus, j'espère. Ben, moi j'ai éteint mon véhicule, donc c'est pas possible que les phares soient là. D'accord. Parce que j'entends les deux radios et je vois les deux phares allumés, mais y a pas de souci. Ça doit être dans ma tête, bon, c'est mon esprit. Bon bah fais le tour alors. Dans ta tête. J'ai pas le droit de toucher aux clés du véhicule, je vous rappelle, j'ai été interdit. Ah oui, bon, c'est vrai ça. Bon après je suis mécano, mais Ouais, ça doit être un peu compliqué. Alors, éteindre les phares. Je vais aller voir ça. Hein. La radio, éteindre. Je suis en train de m'en occuper avec Tox, t'en fais pas. Et moi, il faudrait que je mette des lumières ici. Comment on met des lumières? C'est quoi qui éclaire dans nos pièces? Ah bah je peux prendre des lumières là peut-être. J'ai ramassé quelques ampoules hein, si tu veux. Oui mais c'est quoi? Quelles sont les pièces qui éclairent? Katox est en train de donner des grands coups de masse dans le mur. Là. Non, dans les tombes. C'est quoi, des tombes de ce côté-là? Ouais, il y en avait deux. Et ça marche. Faudrait que je prenne des interrupteurs. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Voilà. C'est complètement con. Tu tasses la terre un peu plus. Je sais. Ouais, c'est une histoire comme ça. Hein. C'est complètement con. Voilà, donc la technique, merci à la technique qui consiste à fabriquer un feu de camp, utiliser du combustible pour brûler tous les cadavres en les amenant un par un. Mais faire des tombes et donner des coups de masse dans les tombes, c'est tout aussi efficace, beaucoup moins coûteux. Donc tu dis que tes viewers sont des cons? Non, je dis que c'est une bonne idée, mais qu'il y a parfois une meilleure idée qui est déjà en application, quoi. Non, non, mais voilà. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est un viewer sur ma chaîne, alors je te prierai d'être plus gentil avec les viewers de ma chaîne. D'accord, donc, excusez-moi aux... Viewers de la chaîne. Aux viewers qui ont des idées, quoi. Vous êtes très gentils. Vous êtes mais très gentils. Gueule.
Non, c'est bien, c'est très gentil d'avoir des idées. En plus, ça, ça contribue, ça participe. N'hésitez pas à laisser des messages, tout aussi inutiles soient-ils, sur les deux chaînes. Ça nous fait très plaisir à tous. Qu'est-ce qu'il blablate celui-là? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien. Eh, on a plein de couteaux de chasse, c'est, hein, c'est génial. Tu les mettais bah où, ouais, les sacs poubelles, Katox? Tu les veux où, tes sacs poubelles? Il y avait un endroit, mais... Il y avait un endroit, faut demander à Damnet, celui qui range. Ouais, ils sont mais... où, les antidépresseurs, là? Ah, il y en a plein. Je crois que les sacs, je crois que c'est ça, c'est bon, là. Là, il me semble qu'il y a un truc réservé pour... là. Ah oui, voilà. C'est... on met les sacs là. Ouais. J'ai des sacs à dos, ça tombe bien. Hop. Alors non, pas les sacs... ouais, oui, je suis les sacs poubelles aussi, ouais, t'as raison. Je prends une partie des antidépresseurs. Ouais, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est bien. Non, mais vas-y, shoot-toi, de toute façon, on fera ça. Non, mais là, je suis en grosse dépression. À partir de combien de tubes ça commence à aller mieux? Parce que là, je vois pas d'évolution. Oh, 25. Tu fumes ta clope. Ah ouais, c'est con, ça. Alors, tu pourrais surtout lire un bouquin, hein, franchement. Il y a 1000 cigarettes, je vais peut-être pas tout prendre. Bonjour Katox, amuse-toi bien. J'ai salut. Un paquet de graines de brocoli. Il y a un truc qui a fait 18. Qu'est-ce qui a fait 18? C'était. Pas moi, mais je. C'était Slan qui ramassait ses 1000 clopes. Non, non, moi je pidi pape. Yep. Alors. Ouais. J'ai des clous qui me restent à poser. Alors, je suis moins inquiet. Mais je suis toujours en grosse dépression, quoi. Oui, parce qu'il faut que tu lises. Faut que je lise quoi? Bah, des livres. Des magazines? Franchement, tu lis un livre, un vrai comics. Livre, là, un livre qui s'appelle juste livre. Ça te booste ton ennui. C'est littéralement, c'est tu t'emmerdes, lis un livre. Oui, mais quel livre? T'as pas livre. Réfléchi. Lis un livre. Livre. Pas le livre, le livre-livre, plutôt le livre juste livre, quoi. Ouais. Bon, ils sont où? Et tu feras attention parce que le deuxième, j'ai déjà lu. Ça, je sais. Je vais pas savoir. Non, écoute, c'est bien que t'aies tout rangé, mais là, il faut qu'on sache. Hein. Faut un accès rapide. Ouais. Ouais, mais c'est long. Ça fait longtemps. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas tourné. Tu crois que je m'en souviens, franchement? Alors, ça sert à quoi que tu ranges si tu ne t'en souviens pas? Mais tais-toi, toi. Tu cherches pas dans ton garage, toi, quand tu y es? Et en plus, j'ai retrouvé, espèce de nul. Et c'est où? Et c'est parce qu'il cherche dans les pas, WC, dans le carton pas. À droite. C'est dans les WC? Bah oui, quand tu te poses au chiottes, tu lis, non? C'est clair. Ah, il y a une logique. Bah oui. Bah bien sûr. Quoi. Putain. Bah, l'intérêt allait mieux. Ah oui, mais quand je porte 27 bols, c'est trop lourd en fait, d'accord. Ah bah... Ah, ça va mieux, je vais en lire un autre. Ah bah oui. Ah putain. Ah, celui-là, je vous jure. Bon bah, je peux reposer mes 6 tubes d'antidépresseurs. Il n'existerait pas, faudrait l'inventer, hein. Alors, non, je peux faire un burger non. Ou un sandwich. On va faire des sandwichs parce que j'ai pas envie de sortir. Celui de salade d'antidépresseur. Une salade d'antidépresseur. Deux flacons d'antidépresseur, tout ça arrosé de Javel. Bon, moi, il faut que je finisse de clore là mon labo là où je vais ranger mes affaires. Et puis j'ai plus assez de rangement. Ça tape là. Mais nous, c'est pareil. Hein, ça tape partout. C'est plein partout, hein, les trucs. Un petit peu de poivron. Ça tape partout, mais le seul problème c'est qu'il n'y a pas de lumière, donc c'est un peu compliqué. Oh, ça va. Moi j'arrive personne à voir dans le noir. J'avais bien compris, c'est la pousse. Qui est la référence? Qui est la référence? Bah, moi qui c'est. Pas la référence, Null Buck. Quand même. Je crois. Le respect n'est pas mort. Non, pas encore. Demain. Faire gauche, faire droite. Ah, c'est marrant, avant je pouvais faire un double clic pour ranger mes objets, et là ça ne marche plus. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que t'as t'étais trop rapide avant. T'étais trop rapide pour ranger les objets. Ouais. Super vos raisons. Ah, ça suffit. Bon, j'ai fait le tour, y a plus rien qui tape normalement. Normalement. Je viens de me rendre compte que j'avais déjà fait une grosse réserve d'antidépresseurs et de clopes dans le garage. Hop là. Légumes et tranches de jambon sandwich. Tomates et tranches de jambon sandwich. Ouais. Me vole pas des trucs. Non, non. Ouais, on va mettre des oignons, parce que c'est pas bien. Il y a des planches, des antidépresseurs. Encore des planches. Faudrait des clous. Essayer de finir mon truc et puis surtout de faire un escalier pour pouvoir c'est monter vrai là-haut. Vous pouvez pas faire plein de salades en même temps. Oh, c'est la loose ça.
Si j'en sélectionne plusieurs, je peux faire plusieurs salades en même temps. Non, je peux pas. Ah, c'est dommage ça. Putain. Ça va être compliqué. Pourquoi il fait nuit encore là? Il est 3h du mat. Alors pourquoi il fait nuit? C'est très simple. Parce que la Terre est inclinée à un angle de 35 degrés. Et en plus de ça, elle tourne sur elle-même. Alors non, elle n'est pas forcément plate. Donc le fait qu'elle tourne sur elle-même, ça implique une rotation de la face illuminée par le soleil. Okay, et en fonction du... Tu veux ça longtemps? Toi aussi, alors... apprends la science en regardant Project Zombo. Je tiens à dire que je vais arrêter le record ici, hein, donc je suis désolé pour les fans de science, mais vous suffira de regarder le prochain épisode, et comme ça vous en saurez plus. Ah non, mais c'est et fini. Oui. Ceci est un cliffhanger. Ceci est un cliffhanger. Mon dieu, est-ce que la Terre est plate? Mon dieu, mon dieu. Merci à tous et à toutes et à tous de nous avoir regardés, et on se dit du coup à très vite pour la suite. A plus. A plus.